Merci à vous, Vincent Lebihan, alias Jacoba. Je vous laisse rejoindre votre place. Alors, pendant que vous jouiez, il y avait Nono, puisque du coup, on ne peut pas demander à Nono de venir en plateau sans lui demander de nous faire un dessin. Donc, il vous a croqué. Vincent Lebihan, finalement, vous êtes un peu le Rémi Brica de Douarnenez, en fait, non? La comparaison me fait un peu rigoler. Je sais pas, il y a combien d'instruments? C'est un truc de fou. D'habitude, il y a plus que ça. Là, c'est le petit set. Là, vous le avez fait set. La version J'ai quatre saxophones, j'ai des fois des djembé, j'ai un balafon. Enfin, j'ai plein d'autres instruments en général, quoi. Comment vous arrivez à créer un tel style musical? Comment est-ce que c'est venu? En fait, un jour, j'avais un projet et puis j'ai demandé à des musiciens de venir et puis ils sont pas venus. Donc, du coup, je me suis débrouillé. Et donc, voilà, quoi. Je me suis dit, bon, je vais faire. Et donc, ils avaient inventé la petite boîte. Ils n'ont jamais servi que par soi-même. Ils avaient inventé la petite boîte de looper, là. Ouais. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Le looper, c'est la boîte qui vous permet de répéter ce que vous jouez. Mais alors, c'est travailler plus pour gagner plus. On gagne plus quand on est tout seul que quand on est avec une formation. Bah, il faut payer les musiciens, quoi. C'est ça, voilà. Et finalement, sur scène, vous êtes seul, vous êtes en solo, mais c'est c'est un vrai spectacle. C'est pas seulement un concert. Ça dépend. Vous mettez en scène réellement ce que vous jouez. Ça dépend où je joue, quoi. Ça dépend, ouais. Parce que je peux jouer en cabaret ou sur scène, ou j'ai aussi un spectacle pour enfants aussi, où c'est un peu différent. C'est... Le jeune public vous adore, j'imagine. Oui, il donne plutôt bien. Votre style aussi, il est aux multiples facettes. Il vous a amené à partager la scène, en tout cas, à faire des premières parties, puis à partager la scène avec des groupes, enfin également tout aussi différents les uns que les autres. Je vois que vous regardez le dessin que Nono vous a fait. Nono, la caméra. Voilà, c'est vous avec le mélodica dans la main. Chauffe, Jacoba, chauffe. Finalement, plein de styles musicaux dans ce que vous jouez. Ouais. Donc vous là c'est pas, on n'a pas trop entendu, mais moi je suis plus d'inspiration latino et africain, quoi. C'était plutôt oriental, en fait. Ouais, enfin c'est un mélange, quoi. Il y a des rythmes, ouais, c'est ça, quoi. Il y a rien de douarneniste dans votre musique, hein? Si, à moi. C'est déjà pas mal. L'état d'esprit, quoi. L'état d'esprit, c'est l'essentiel. Pourquoi? C'est quoi l'état d'esprit d'un douarneniste sur scène? Une sardine, quoi. Bah, un peu fêtard, quoi. Ah bon? On fait la fête de Douarnenez. Je sais pas, je pense qu'il y a un petit esprit douarneniste, quoi. En tout cas, on le ressent sur scène, vous êtes une vraie pile. Ouais. Il y a de l'énergie. Votre album qui sortira, vous êtes en train de le mixer, ouais. Début 2015, on retrouve cet album. On y retrouve quoi? C'était un exemple, ce qu'on a eu là ou pas? Celui-là, ouais, ce titre va tomber dans le disque. Et il y aura quelques titres afrobeat, d'autres plutôt dub et. D'autres plutôt funk et latino aussi, la bossa nova et un peu de chansons aussi. Et l'inspiration, elle vous vient d'où? Des gens que j'ai côtoyés, quoi. Ouais. Comme qui? Je sais pas, vous avez des exemples, des personnes que vous avez rencontrées sur scène? Ouais, enfin j'ai joué avec des Africains, enfin avec des Sud-Américains. Et voilà, quoi, ces rencontres. J'étais au Mali aussi au mois de janvier, quoi. En fait, vous êtes marrant, parce que j'ai remis une chemise, là, de là-bas. Ah oui, on regarde ça depuis tout à l'heure. Elle vient d'où? C'était pas très, très douarneniste comme chemise. Non, c'est... En fait, là, c'est le dieu Dogon, quoi. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et qui est sur la pochette du disque, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Jusqu'aux vêtements, vous êtes dans le style, quoi. Voilà. Donc, rendez-vous du coup début 2015, des concerts, des choses que vous aimeriez prévoir, ouais. Que vous allez lancer. Donc, j'ai l'argent pour le mix, mais j'ai pas l'argent pour le pressage. Et donc, il faut faire un Ulule, il faut faire des projets financement participatifs. Donc, venez sur mon site jacoba.fr et tout est expliqué. Pour la souscription. Mathis s'affiche justement en bas de l'écran. On peut participer à la souscription de cet album. Merci Jacoba de nous présenter votre projet musical. On trouve tout de suite la brève de trottoir de Stephen Leroy.